Alors bah tout simplement, on était avec les CRS à l'intérieur, on était en train de chanter, ils sont mis devant moi, j'ai les vidéos sur mon téléphone, ils ont dit dégagez ou sinon on va vous dégager. J'ai dit je veux bien partir mais tout le monde me bloque. De là ils ont commencé à nous pousser, à nous matraquer, ma femme elle arrivait pour me tirer, elle s'est mise derrière moi, elle m'a poussé et de là ils m'ont matraqué le dos. Et maintenant voilà où est-ce qu'elle est, dans une ambulance. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous croyez que c'est normal que même moi, qui est handicapé à plus de 80%, je suis obligé de me faire tabasser? Non, c'est inacceptable. Et même pas, ils veulent donner leur numéro d'immatricule ou quoi que ce soit. Miséricorde à ceux qui vont en profiter. Et à quelques pas de là dans les cités. Ça pue la merde, ça sent l'herbe. Les gens sont comme des cerfs dans le quartier. Veulent quartier Lacoste, Ralph sont claqués. Beaucoup sont plaqués, des bombes CRS, des militaires. À mort les porcs en décor sur les murs dehors. 2, 1, si étudie le terrain. 1, 2, 3, ça sent le soufre et le dawa. Réalité dans l'escalier, le petit zout et les... Mais on n'est pas équipé, notre seul équipement c'est le gilet. Et regarde là-bas, eux ils sont quoi? Ils sont casques, boucliers, bombes d'acrymo et tout ça. Un à rien. Première sommation, dispersez-vous. Les flammes du mal ont frappé la Tessie. Le temps des mots terminé, prier c'est grillé. Là-haut ça répond pas donc on s'allie au diable. Et comme Attila, on va piétiner ci et là, prendre par le sabre. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer vu que le paradis n'est pas. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer vu que le paradis n'est pas. Foutre des escrocs qui s'escroquent, évoluent dans nos rues. Salut la nuit, les loups font du bise. Les cerbères sont à l'affût, le prolétaire du PMU. Foncez au rouge, va te viser. Halte sur l'asphalte, tout est si vite arrivé. Bienvenue dans les cités où la police ne va plus. Nos hypotes récoltent le fruit d'actes désinvoltes. Survoltent et comme des pites survoltent, craquent avec leur colt. 1, coup de pression. Vas-y, qu'est-ce que j'ai, salope. 2, course poursuite. Voilà les flammes sur le macadam. Ça part en vrille, se nique et se bousille. Plus de combat dans la Moi j'ai à dire une chose, c'est qu'il y en a marre que c'est tout pour les riches et rien pour les pauvres. Alors maintenant le gueule est dans la rue et on se laissera plus faire. Je trouve que c'est pas normal qu'au Auchan ils ont enfermé leurs clients.
Avec vous, on est rempli là. Toujours c'est réglé. La cuisine, elle est où là? La cuisine est remplie, c'est bon? C'est bon, vous avez la jeunesse est désespérée, elle est hardcore. Et rien ne pourra. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la poche. Faisant partie d'un parti d'avant-garde guidé par deux principes visant à renverser la société. Juste pour le plaisir, je répète, ma cité va craquer. Une révolution complète. Je prends plaisir au vacarme, au fracas des vitres quand tout craque. Vous connaissez la vie. C'est même un exemple de souverain.